Bienvenue, merci de votre fidélité. Vous tombez à pic, les joueurs sont dans le tunnel, alors laissez-nous vous présenter cette rencontre. Ici Grégoire Margoton avec Darren Tulette. Bonjour Grégoire, bonjour à tous, j'ai vraiment hâte de commenter ce match à tes côtés. Et maintenant, jetons un œil aux compositions d'équipe. Match. Il essaye de faire la différence côté gauche pour trouver la faille dans la défense. Oh, la grosse occasion! Oh, il l'a récupéré! Il récupère le ballon, c'était un bon pressing. Joel Campbell. Une très longue passe par-dessus les défenseurs. Ça peut partir en contre. Oui, c'est bien défendu, c'était dangereux. Ah oui, mais quel tacle! D'autant plus crucial qu'ils étaient en infériorité numérique. S'il le trouve, il glisse le ballon en profondeur. Allez, c'est dangereux! Les deux équipes se neutralisent. Le centre dans la surface. Un long ballon vers l'avant. Il relance côté droit. C'est joué long, attention. Attention, la frappe! C'est au fond des filets! Quelle précision, le gardien ne pouvait rien faire! Alors là, c'était totalement impossible d'aller la chercher! Ça fait 1-0. C'est fait, ils ont ouvert le score, mais il reste encore beaucoup de temps dans ce match. Il joue dans l'espace. Il voit sa passe interceptée. Oui, il faut dire que ça manquait de précision aussi. Il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon. Faute, c'est indiscutable. Maîtrise, quel bonheur pour les yeux! Oh, ils auraient pu payer cash ce ballon perdu!
but. Quel dribbleur, quel artiste avec le ballon. Il a essayé d'y aller seul, mais sans réussite. Dans le dos de la défense. Ils obtiennent un coup franc. Il écarte, il joue sur l'aile. C'est intercepté, enfin un peu d'air pour la défense. En retrait. La fin de cette première période. Les joueurs vont aller se reposer et à mon avis, ça va leur faire le plus grand bien. Oui, l'entraîneur va peut-être se poser des questions pendant la pause. Il faut surtout que ces joueurs s'appliquent, qu'ils soient plus concentrés. L'arbitre siffle le coup d'envoi de la seconde période. Bon, je vais faire un peu mon captain obvious, mais il reste encore toute une mi-temps. Il n'y a pas de quoi s'affoler non plus. À la régulière, il est battu, joli tacle. Ouais, Ruiz. Ah, c'est dommage, c'était un contre bien mené, mais ça n'a pas suffi. Ouais, Ruiz. Il joue dans l'espace. Il récupère le ballon, c'était un bon pressing. Il est arrivé à se mettre en position, mais il n'a pas pu déclencher. Intervention faute là-dessus. Le voilà averti, il n'y a pas grand-chose à redire. Une très grande ouverture. Centre directement. Il met le pied, ballon récupéré. Il tente de la jouer dans l'espace. Ah, il a essayé, mais ça n'a pas fonctionné. Voilà, il a préféré jouer la sécurité. Il y a beaucoup de mouvements sur les côtés, vous ne trouvez pas ? Oui, c'est vrai que je me faisais la même réflexion. À mon avis, ils essaient de créer des espaces dans l'axe pour une passe ou une course. Il joue en retrait. Il n'avait pas le choix. Hors jeu, dommage. Cette passe en déviation avait surpris tout le monde, mais son coéquipier était hors jeu de quelques petits centimètres. Joel Campbell, il choisit là-bas, sur l'aile. Il centre de loin. Il centre. Voilà, un coup franc intéressant. Carton jaune, oui, c'est logique. Le Costa Rica qui compte maintenant deux joueurs avertis. Juan Ruiz en retrait pour repartir proprement. Oh, ce jeu de passe, quel régal! C'est bien fait, ça. Brian Ruiz qui récupère ce ballon. Joel Campbell. Mais il va être sanctionné. Ça joue à gauche. Oh, très bon ballon! Va-t-il en profiter? Un centre tendu, à ras de terre. Qu'il est fort pour sentir ces coups-là. Il se retrouve au bon endroit, au bon moment. C'est vrai qu'il y a un petit peu de réussite, mais c'est parfaitement joué de sa part.
Et voilà, ça fait maintenant 2-0. Joel Campbell qui est marqué de très très près. C'est un peu le moteur de cette équipe, donc c'est prévisible. Mais c'est à ses coéquipiers de le protéger aussi. Oh, l'intervention pleine de détermination. Voilà une bonne occasion de contre. Joli, il ne fallait pas se rater. C'est joué long, c'est dangereux. Pour trouver la faille dans la défense. C'était dans la profondeur, ça n'arrivera pas. 4 minutes de plus à jouer, il peut se passer encore beaucoup de choses. La faute. Les gestes mal maîtrisés, logique cette sanction, carton jaune. Ses coéquipiers viennent prendre de ses nouvelles. Le Costa Rica qui a désormais 3 joueurs avertis. La passe est précise. C'est joué long, attention. C'est fini, le match est terminé. Que c'est dur à avaler, elle est terrible cette défaite pour les joueurs, pour l'entraîneur, pour les supporters. Ils auront tout donné pourtant. J'ai surtout été surpris par la fragilité de l'axe de leur défense.